Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre rubrique dénommée Salem Online. Durant cette rubrique, nous faisons un petit résumé sur ce qu'a été notre deuxième semaine de notre 21 jours. Nous avons passé une semaine dans la gloire où nous avons été visités par trois différents orateurs. Le premier orateur, le pasteur Paul Wakon, nous a parlé sur le renouvellement dans la famille chrétienne. Nos familles chrétiennes ont perdu la foi en Dieu à cause des différents problèmes. Mais le Seigneur nous appelle à renouveler encore notre foi en lui. Nous avons eu également l'apôtre Johnny qui nous a parlé sur le principe biblique afin de vivre la prospérité. Nous avons trois principes. Premièrement, la foi en Jésus-Christ, la fidélité et aussi l'intégrité. Notre Dieu nous a appelés à la prospérité. Alors, retenons bien ces principes afin de vivre une vie prospère. Et nous avons fini avec le pasteur Daniel Mabunduka qui nous a parlé sur le renouvellement dans la prière et les offrandes. Tout afin de ne pas prier, mais aussi associer sa prière à une offrande afin de déclencher l'exaucement. Nous allons terminer la semaine qui va commencer. Nous t'invitons bien-aimés, viens nous rejoindre parce que nous allons finir en beauté. Nous allons finir de la gloire. Le Seigneur sera au rendez-vous. Nous t'invitons, ne manque pas car le Seigneur va te visiter et tu vas vivre un renouvellement à tous égards. Que le Seigneur nous bénisse tous.